Show my babe, c'est quoi ton cubo? Show my babe, c'est quoi ton cubo? Mes emmerdes, c'est quoi ton cubo? Mes emmerdes, c'est quoi ton cubo? Versace, Versace, Donatella, Gianni, Donatella, Versace, Versace, Donatella, Gianni, Gianni, Donatella. Vous allez me tuer. Eh, hey, moi je travaille ici. Attends. Allô? Arrête! Arrête de déconner! Bonjour, c'est Anne-Sophie là. Bonjour madame. Oui, docteur Patson, c'est lui. C'est moi-même. Je suis venue vous voir il y a quelques mois à propos de des hommes. Ah oui, je me souviens de vous. Vous vous souvenez, je n'allais pas bien à cause de mon ex. Qui? Oui, je me souviens. Qui est parti avec ma meilleure amie. Ah! Oh, j'ai vécu une période très compliquée, docteur. Histoire de fou! J'étais tellement triste et en colère à cause de lui, si vous saviez. Ouais. D'ailleurs, oui, justement, ça tombe bien, je voulais... Mais pourquoi ils sont comme ça, les hommes, docteur? J'ai reçu le virement. Oui, les consultations, c'est 490... Pourquoi ils traitent les femmes comme ça? 99 euros. Vous pouvez me le dire? Ouais, vous avez versé 500 euros. On fait tout pour eux. Voilà, je vous dois de la monnaie, quoi. Ouais, je vous dois de la monnaie. Voilà, voilà. Et voilà comment ils nous remercient. Mm-hmm. Les hommes aiment nous faire souffrir. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est vraiment des êtres cruels. Oui. Des égoïstes, des pauvres types. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tous des nuls, des gros nuls. Ouais, moi-même, je suis un homme. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué. Des bons à rien. Nous. Ils doivent pas être très intelligents. Ça doit être ça, docteur, non? Oui. Et l'autre, là? Ouais. Ma copine. Qui me donnait des conseils sur les hommes. Ouais. Ça pour ensuite me piquer le mien. Mmh. J'ai été trahie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, docteur. Oh, madame. Non, pleurez pas. Non, madame, ne vous mettez pas dans ces états. Pleurez pas. Ah, les hommes. Oui, moi-même, je suis homme. Non, pleurez pas. Ça fait mal, hein, mais... Non, pleurez pas. Pleurez pas. Allô? Docteur, vous êtes toujours là, vous m'entendez? Ils sont tous mauvais, hein? Oui. Tous? Oui. Mmh. Continuez. Docteur, excusez-moi. Je suis encore tellement bouleversée, si vous saviez. Quand je vous ai dit que je voulais plus jamais vivre avec un homme. Ouais, allez-y, je vous écoute. Je me rends compte que je me suis trompée. Mmh. Je ne veux plus être célibataire. C'est quoi votre question, en fait? C'est quoi? Vous m'appelez? Oui. Quel est l'homme qui va construire ma vie, docteur? D'accord. Vous voulez savoir, après le confinement, quel type d'homme vous devez prendre pour construire? Quel est l'homme qui peut construire votre vie? Mais madame, écoutez, pour construire votre vie, moi, je vous conseille un portugais. Tout ce qui est construction, ben, un portugais. Portugais, ouais. J'avais pas pensé. En tout cas, merci. Allez. Au revoir, madame. Quelle connasse. Elle parle mal des hommes et puis après elle me demande quel type d'homme pour construire sa vie. Est-ce que ça, on pose comme question? On pose ça comme question au téléphone. Quel type d'homme pour construire ma vie? Mais un portugais!